Alors que de nombreuses familles préparent les vacances d'été, Tourisme Suroît lance son tout nouveau guide touristique pour la saison 2014-2015. Le guide touristique est divisé par des balades thématiques sur tout le territoire du Suroît. Il est ainsi possible de profiter d'escapades sous le signe de l'agrotourisme, de l'histoire, de la culture, du plein air et bien d'autres encore. Ainsi, la saison 2014 sera marquée par des nouveautés particulières dans Vaudreuil-Soulanges. Ce qui me vient en tête étant, entre autres, l'ouverture au grand public de la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. C'est exceptionnel que la maison s'ouvre. C'est aussi exceptionnel qu'elle s'ouvre l'année des 100 ans de naissance de Félix Leclerc. Entre autres aussi, le 10e anniversaire du Festival international de cirque Vaudreuil-Dorion. On attend également de la part du festival le fameux chapiteau Eugène Chaplin qui est attendu au courant de l'été, qui va être une infrastructure exceptionnelle pour la région. Alors, la version papier du guide sera disponible chez les entreprises membres, les bureaux d'information, le site web de Tourisme Suroît, ainsi que sur les téléphones intelligents. C'était Diana Bernard, à Vaudreuil-Dorion, pour vaudreuilsoulanges.tv.